Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, comme je vous l'avais annoncé sur mes dernières vidéos, on devait se retrouver donc pour que je puisse vous montrer ce que j'ai fait ces temps-ci. Je vous avais expliqué hein, que j'avais eu un petit mode off où l'envie de diamanter, de broder se faisait rare et ça commence à revenir tout doucement. Donc, tant que j'ai l'envie, je fais des choses, donc il y a eu pas mal de petites choses de faites. Malheureusement, j'ai pas été, comme on dit, très disciplinée parce que j'ai beaucoup papillonné sur plein de projets différents. Donc il y a de petites avancées pour tout ce que je vais vous montrer. Il y a aussi des nouveaux projets, donc de commencer, ainsi que quelques petites choses qui ont été terminées. Voilà. Donc, on va commencer par les petites choses qui ont été terminées. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce petit modèle de boucle d'oreille en diamond painting. J'en ai fait l'achat donc sur Shein. Vous en avez aussi sur AliExpress. Il y en a aussi sur Temu. Donc, je vous avais fait une vidéo où nous les avions diamantées ensemble. On avait fait le montage donc des petits anneaux qui relient. Donc la boucle d'oreille en soi, hein, on avait fait ça ensemble en vidéo, ainsi que l'encollage. Donc ça fait un petit moment que cette paire est terminée. Et donc j'ai fait toutes les autres. Elles sont toutes terminées, montées et encollées. Donc je vais vous les montrer. Il y a celle-ci. Nous avons celle-ci aussi. Donc, je vous les remontrerai de plus près. Hein. Voilà. Alors, nous avons celle-ci. Voilà, ça a été un plaisir à faire, franchement. C'est des petites choses qui se diamantent quand même assez rapidement. Voilà. Celle-ci. Des petites boucles d'oreilles, très sympa. Donc une petite idée de cadeau, hein, si certaines ne savent pas quoi offrir, histoire de voilà de marquer le coup et puis de faire plaisir et se faire plaisir en même temps. Bah, écoutez, voilà. Voilà des petites choses qui pourraient plaire. Toutes celles qui aiment bien un petit peu les petits bijoux comme ça, un peu breloque, mais écoutez, comme moi, hein, j'aime beaucoup les bijoux fantaisie. Je suis très friande de ce genre de choses. Donc voilà, c'est des petites choses qui peuvent plaire. Et voici donc les dernières. Voilà. Avec celle-ci que je porte de temps en temps. Donc celle-ci, ça faisait un petit moment que je ne les avais pas portées. Récemment, j'ai porté celle-ci. Et aujourd'hui, j'ai porté celle-ci. Donc moi, je n'ai aucun problème d'allergie, hein, parce que beaucoup peut-être vont se poser la question de savoir que vu que la boucle en soi peut, comme c'est pas de l'or ni de l'argent, ou ça peut peut-être provoquer des allergies. Moi, ça ne m'en provoque vraiment aucune. Voilà. Donc voici ce qui a été fait très récemment. Donc, elles doivent avoir une petite semaine et demie, les boucles d'oreilles là. Voilà. Ce que j'ai fait ces temps-ci. Donc, je vais vous les mettre de côté. Et j'ai fini aussi ce diamond painting. Voilà, que j'avais donc eu sur AliExpress. Donc, comme vous voyez, il est encadré. Donc, c'était pour offrir à Solane. Solane a eu Spider-Man. Et celui-ci, c'était pour sa petite sœur, Mila. Mais comme ils sont en vacances actuellement, ça m'a laissé le temps de peaufiner un peu et de finir. Et je lui offrirai au retour des vacances. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, beaucoup de diamants AB. Voilà, il brille vraiment beaucoup. Voilà. 1,40 $. Sur AliExpress.
Donc voilà pour la petite choupinette. Donc un plaisir à faire, hein. Franchement, il s'est bien diamanté. Les diamants étaient pas si mal taillés. J'étais très agréablement surprise. Je n'ai manqué d'aucun diamant. Il me reste de toutes les couleurs. Il y en avait 25 ou 27, je sais plus. Et il me reste des 27 couleurs. Voilà. J'ai vraiment de tout. De tout, de tout, de tout. Que ce soit en diamant AB ou diamants normaux. Il me reste de tout. Voilà pour ce qui a été terminé. J'ai donc fait aussi, enfin, j'ai aussi commencé ceci qui est donc une toile en point compté Blackwork. Donc pour l'événement de Marie-Laure, il s'agit de ce modèle. Donc c'est une fleur de lotus. Je l'ai commencé. Et pareil, j'adore, hein. Écoutez, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ma petite avancée. Donc, c'est une 14 CT qui fait 29, 27 sur 29 cm. Pareil que j'ai acheté sur AliExpress. Donc, voici le patron. Donc là, c'est le bas de toile. Et ici, c'est le haut de toile. Donc tout ce que vous voyez de fluoté, c'est tout ce que j'ai fait. C'est tout ce que j'ai commencé à broder. Voilà. Donc je me suis mise aussi une petite annotation quelque part. C'est où? C'est là. Donc je voulais vous en parler parce que lors du l'unboxing, j'en avais vraiment pas fait, j'avais vraiment pas fait attention. Et c'est en regardant de plus près le patron. Donc quand Marie-Laure nous dit à tous et à toutes que pour ce genre de projet, avant de se lancer tête baissée, il faut vraiment bien se familiariser avec le patron, les couleurs et tout, vraiment, prenez ce conseil comme argent comptant parce que oui, il faut vraiment que vous analysez bien le patron parce que moi, lors de l'unboxing, franchement, j'ai pas fait attention. Et là, ce sont des points qui seront faits en demi-croix, donc du half stitch. Donc, vous avez le symbole E ici. Donc en blanc, hein, parce qu'il n'y a qu'une seule couleur pour cette toile. Donc le symbole E sera à faire en half stitch en partant du bas de votre carré, du bas à droite vers le haut à gauche. Et celui-ci, le losange. Alors attendez, oui c'est ça. Et celui-ci, le losange, pareil. Alors que celui-ci, donc le pi, c'est de l'autre côté. Donc je me suis mis bien faire attention au sens de la demi-croix. Donc parce que quand j'ai brodé, j'ai fini de faire mon petit coin là, de mon petit brodage là tranquillement. Et là je regarde le patron et je me dis mince, oh, j'ai pas fait attention au sens de la demi-croix. Et là, je regarde ce que j'ai brodé. J'ai dit à tous les coups, je vais être obligée de tout défaire. Et non. Par chance, je les avais fait dans le bon sens. Donc, faites très attention à ça, surtout. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai commencé. Donc, ça, c'est un fil que j'ai mis de côté, qui est tout prêt. Donc, voilà ce qui est fait. Donc, ça correspond ici en haut, donc là, tout ce qui est fait ici, à la petite pointe ici, ici, et on descend un peu ici, et j'ai rattrapé donc le trait qui est là. Voilà. Et j'ai commencé ici, donc ce sont ces points-là. Voilà. Donc après, comme vous voyez, il y a des petits points comme ça. Ce sont des points de nœuds. Et j'ai beau essayer, je n'y arrive pas. Et quand j'y suis arrivée, j'ai trouvé qu'en 14, c'était les points de nœuds, bah, ressortaient pas tant que ça. Donc c'est tout ce qu'il y a en rouge. Donc où est mon patron?
Il est là. Donc, c'est tout ça. Voilà, tout ce que vous voyez en rouge, là, que je n'ai pas brodé, hein. Vous voyez, tout ce qui est fluoté et brodé. Donc, si on regarde ce que j'ai brodé, vous voyez que là, par exemple, ici, il me manque les petits points rouges qui sont là. Voilà, qui se trouvent entre les motifs. Ben, moi, je mettrai des perles. Voilà, à la place. Voilà ce qui a été fait, donc, pour le projet, enfin, pour l'événement de Marie-Laure. Événement Blackwork qui a commencé donc le 14 juillet. Donc nous avons une date de début mais pas de date de fin. Donc toutes les personnes qui ont envie de nous rejoindre pour cet événement Blackwork organisé par Marie-Laure, il vous suffit de vous y inscrire sur le groupe que nous avons créé avec Caro et Roselyne. Et donc l'événement de Marie-Laure est hébergé sur notre groupe. Donc vous avez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir poster le projet que vous avez envie de faire et un autre album pour poster vos avancées. Voilà, je vous mettrai tout en barre de description, toutes les chaînes citées, les différents événements ainsi que le groupe Facebook dont je viens de vous parler. Tout sera bien entendu en barre de description. Voici pour ce projet. J'en fais tomber la moitié. Ensuite, ceci, c'est un projet en point compté qui m'a été gentiment offert par Roselyne. Elle les avait eu en... Elle avait pris les toiles 4 saisons, hein, donc à l'unité. Donc moi, j'ai eu l'hiver, l'automne et le printemps. Et l'été, c'est donc Caro qui en a hérité. Et donc, j'ai décidé de faire celle du printemps. Je l'ai donc commencée. Et je vais vous montrer ce qui a été fait. Donc, pareil, hein, franchement, un délice à faire. Un délice. Donc, voici le patron. Donc, tout ce que vous voyez que j'ai rayé, c'est tous les points qui ont été faits. Voilà. Donc, ce sont les fils. Voilà. Et voici donc ce que j'ai fait. Ce que j'ai commencé. Donc tous les petits points que vous voyez ici, c'était histoire de finir mon fil. Donc on va se référer à l'image de base, l'illustration. Donc tout ce côté-ci, tout ça et ça, le vélo, a été brodé. Voilà. Ça, ce côté-là, c'est complètement fini. Voilà, j'ai fait les petits poussins, j'ai fait les petites barrières, j'ai fait le petit torchon là où je ne sais pas comment ça s'appelle. J'ai commencé aussi la chaussette, donc qui se trouve ici. J'ai commencé les coccinelles, donc ici. Et là, vous avez une ruche. Je pense que c'est une ruche ou une petite maisonnette à oiseaux. Non, c'est une maisonnette à oiseaux. Je l'ai commencé aussi. Voilà. Voilà ce qui a été fait. Et donc, les petits points que vous voyez là, c'est ce qui va correspondre donc au petit moulin qui tourne là. Voilà ce qui a été fait. Un vrai bonbon, franchement, sans regret. Merci beaucoup, Roselyne, parce que c'est super agréable à faire. Moi, je m'éclate. À chaque fois que je suis dessus, je m'éclate. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire le vélo. Très, très simple à faire. Voilà. Voilà. Et voici le vélo, donc, en image. Puissiez vous rendre compte. Franchement, que du bonheur. J'adore. Donc voici pour le projet que j'ai commencé et avec lequel je m'amuse beaucoup. Ensuite, il s'agit de cette toile. Donc cette toile m'a été offerte par Caroline de la chaîne Les loisirs de Caroline et Alice. Donc quand je vous l'ai montrée, j'avais fait le bas. J'avais commencé par le bas donc.
Voilà, j'avais fait toute cette partie-là, un petit peu ici, j'avais commencé les contours des feuilles et tout, un petit peu ici, un petit peu là, un petit peu partout. Et j'ai voulu faire un peu du visage, donc j'ai commencé le visage. Et voilà, ce que j'ai fait commence à ressort. Voilà. Donc je suis plutôt pas mécontente du résultat pour l'instant, de ce que j'en vois. Bon, c'est pas fini, hein, mais je trouve que ça ressort plutôt bien. J'aime bien. Voilà pour ce joli point de croix, donc offert par ma petite Caro, une toile au Raloa, la rebelle de l'Ouest. Franchement, nickel. J'adore cette toile. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ensuite, j'ai avancé aussi un petit peu ma reine d'été. Pas énorme, mais un peu quand même. Mais pas énorme. Mais il y a eu une avancée. Petite, mais elle est là. Alors, je ne sais plus trop où j'en étais la dernière fois que je vous l'ai montré. Cette toile est quand même assez grande. Donc, il y a la reine d'été, de printemps, d'automne et d'hiver. Et moi, je les ai toutes. Voilà. C'est un craquage que j'ai fait sur la boutique de Biggest Craft. Donc, c'est une toile achetée, hein. Oh, ce n'est pas un partenariat. Donc, voilà la bête. Toc, toc, toc. Donc, on va aller à la partie qui nous intéresse, c'est-à-dire ici. Donc, quand je vous l'ai montré, je devais être par là et j'avais avancé un peu par là. Donc, j'ai fini tout ici, je suis remontée jusque-là. Et j'ai fini aussi. Ah, là, il me manque deux petites croix, je ne les avais pas vues. J'ai fini tout ici en remontant comme ça. Voilà. Et j'ai pas pu résister. Bien longtemps, j'ai commencé donc. J'ai voulu voir. J'ai posé quelques perles. Voilà, j'en ai posé 5. Ça va. Normalement, les perles se mettent en dernier. Hein. Mais moi, j'ai pas pu résister. Donc, tous les points que vous voyez comme ceci, ici, là, ici. Ah, ben, il manque aussi des petits points là, j'avais pas vu. Ce sont les endroits où je vais devoir broder mes perles. Voilà ce qui a été fait sur cette toile. Donc elle avance plutôt pas trop mal, j'ai trouvé, et le si peu qui est fait, je le trouve vraiment très très joli. J'aime beaucoup. Je vous recommande ces toiles. Bon après, il faut que ça plaise évidemment, hein, mais je vous les recommande vraiment. Elles sont vraiment bien. Voilà. Évidemment, j'ai perdu ma pochette. Où est-ce qu'elle est? Elle doit être tombée. Bon, c'est pas grave, je le mettrai après. Ensuite, j'ai commencé donc ma toile totem. Donc, c'est une toile que j'ai achetée aussi sur le site Fancels. En 11, c'était une toile imprimée. Et cette toile fait 54 par 69 cm. Et c'est un pur bonheur à faire, j'adore. Voici donc les couleurs. Voilà, ce sont des couleurs très automnales. Et voici ce que j'ai brodé. Donc je vais vous montrer dans un premier temps comme ça, pour que vous puissiez vous rendre compte du travail qui a été fait. Parce que des fois, c'est pas facile de se rendre compte quand la toile est tournée côté imprimé. Voilà. Donc la toile comme ça. Et voilà ce que j'ai fait. Donc j'ai pas fini la bordure. Étonnamment, ça m'a surprise parce que d'habitude je fais toujours mes contours. Et là, je ne l'ai pas fait. J'ai vraiment voulu commencer par les motifs. Voilà, mon petit lapin n'est pas encore tout à fait terminé. Mais voilà ce que j'ai fait. Et donc en brodant cette toile, j'ai eu une idée. Donc, tous les petits motifs dans les papillons que vous voyez ici, que j'ai laissés sans qu'ils soient brodés, voilà, ainsi que les cœurs de fleurs comme ici,
Je ne les ferai pas, je mettrai une perle à la place. Voilà, je vais personnaliser ma toile. Voilà, tous les petits cœurs de fleurs comme ça, les petits ronds dans les papillons. Je ne les ferai pas, je mettrai une perle à chaque fois. Donc, une fois que la toile sera terminée, je la reprendrai et je ferai mes finitions en perles dans mes papillons et tous mes petits cœurs de fleurs comme ça. Voilà, je mettrai une perle. Voilà. Une très jolie toile. Donc, qui n'a que 12 couleurs, celle-ci. 12 couleurs. Et une couleur de backstitch. Voilà ce qui a été brodé. Donc, vraiment, que du plaisir. Ensuite, j'ai avancé aussi ma broderie perlée. Donc, c'est celle que j'ai eue en partenariat avec la boutique VIP Cross Stitch. Donc voilà mon avancée. Donc quand je vous ai pris en vidéo, il me semble que j'avais pas fini ici, que le papillon n'était pas fini et la fleur devait être pas tout à fait terminée non plus. Je devais t'arrêter à ce niveau-là à peu près. Donc voilà, j'ai fini tout ça et j'ai avancé ici. Voilà pour cette broderie perlée. Bah écoutez, que du plaisir, hein. Une petite vingtaine de couleurs, une toile qui est pailletée. Et regardez, enfin, rien que la fleur, quoi. Ça fait super joli. Voilà. Ensuite, dans le cadre de l'événement Savane de Roselyne, donc j'avais choisi un DP et un point de croix. Et voici le DP. Donc lui a pas mal avancé ces jours-ci. J'en ai fait un petit peu quand même. Et il ne me reste plus grand-chose, hein. Il ne me reste plus que 4 cases et le DP pour l'événement de Roselyne. Donc l'événement Savane sera terminé. Voilà. Donc c'est un DP de chez Action. Voilà. J'aime beaucoup. Ensuite, pour l'événement de Mélanie, qui est hébergée sur notre groupe également, l'événement aquatique, je vous avais montré la toile, je devais être en bas de toile et j'ai tout remonté comme ça. Donc, je l'ai bien avancé aussi. Donc, toute cette partie-là, bah, de toute façon, vous le voyez, hein, vous voyez la démarcation. Tout ça par là, c'est fait. Voilà. Voilà, pareil, une toile action, une toile poisson Nemo, pardon. Et un petit bonbon aussi à faire quand on est dedans, après c'est bon. Avec des diamants AB. Voilà. Voilà, ça avance doucement mais sûrement. Ensuite, j'ai commencé aussi cette toile La Belle et la Bête. C'est mon Disney préféré. Donc cette toile m'a été offerte par Virginie de la chaîne Virginie Diamants et Fils, etc. Donc l'illustration est là. Voilà. Une once, c'était de chez Ichou. Et bah regardez. Donc c'est une 40-40, je crois. J'ai commencé donc la toile il y a quelques jours. J'en ai pas fait énormément dessus. J'ai commencé en haut à droite, en haut à gauche, pardon. Alors d'habitude, je commence toujours par le bas. Mais là, petite exception, j'ai commencé par en haut. Donc il y a eu pas mal de petits points de fait à droite, à gauche, un peu partout. Voilà. Donc, et de dos. Voilà ce qui a été fait. Voilà. Voilà pour cette toile. Très sympa à faire aussi. J'aime beaucoup. Merci beaucoup Virginie d'ailleurs.
Alors, ensuite, j'ai commencé cette toile. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Je vais vous l'enlever de là, comme ça vous allez peut-être mieux voir l'illustration. Donc, c'est une toile que j'ai achetée sur Shein. Donc, c'est une Mona Lisa. Voilà. Qui fait 50 cm par 90 cm. Voilà. Et c'est une toile en fil de soie. Donc, je l'ai commencée. Et voici donc ce qui a été fait. Voilà. Alors, le cul de ma toile est clairement dégueulasse, hein. Je ne vais pas vous dire le contraire. Mais on s'en fout, c'est le derrière, comme on dit. On va voir le devant. Donc, et le devant. Ben, ça donne ça. Donc, cette toile, on m'avait conseillé de la broder en trois brins. J'ai essayé et j'y suis pas arrivée. Mes croix étaient vraiment pas belles, dégueulasses. Donc, ben, c'est une toile que je fais donc en deux brins. Voilà. Donc, j'ai commencé en bas à gauche. Et donc, voilà ce qu'il y a. Est-ce que je peux vous zoomer? Normalement, oui. Voilà. Donc, voilà. Voilà ce qui a été fait. Donc, un fil qui est vraiment difficile à dompter, mais c'est vraiment un pur bonheur à faire. Bon, en tout cas, je m'éclate. Voilà. J'ai commencé quelques nuances de rouge et de orange pour les fleurs. J'ai fait du jaune aussi, un petit peu. Des couleurs qui sont super à faire. Voilà, et ici, il y a différentes nuances de marron. Voilà, pour cette toile, elle sent bon, elle sent le savon, elle sent trop bon. Je pense que je vous ferai une petite vidéo où je broderai cette toile avec vous. Voilà pour cette toile. Je l'avais commencée en trois brins, mais c'était tellement... J'ai dû découdre tout mon fil, tout enlever et tout recommencer. Mais bon, c'est pas grave ça. Toujours dans le cadre de l'événement de Rosine, donc l'événement Savane. Donc pour le point de croix, j'ai choisi ce tigre. Donc voici l'image. Voilà. Je fais tomber la moitié de mes affaires ce soir. Et voici donc mon avancée sur cette toile. Voilà, voilà mon petit tigre. Hop, je vais faire un peu de place. Voilà. Voilà l'avancée sur cette toile. Donc, il y a des points faits par ici, beaucoup dans le haut. Et ensuite, j'ai continué à avancer dans ce sens-là. C'est une toile qui est très sympa à broder. Donc, c'est une 11 CT et celle-ci, je l'ai eue sur Shine. Voilà. Donc là, ce que j'ai fait beaucoup, c'est continuer mes croix ici. Je suis descendue. J'ai complété aussi un peu... Dans le visage du tigre, parce que vous voyez, j'ai encore pas fini, hein. Il me manque des points ici, il m'en manque un peu là. Donc j'ai continué ici. J'ai fait aussi toute cette partie-là. Un peu ici, je suis descendue ici. Donc pour finir ma couleur, je vais vous le tourner comme ça, vous allez mieux vous rendre compte de ce qui a été brodé sur la toile. Voilà. Voilà ma petite avancée pour mon petit minou. Très très sympa à faire. Franchement, moi, les toiles point de croix Shine, bah écoutez, moi, j'ai pas de souci avec ces toiles. Elles se brodent bien. Le fil, bah écoutez, j'ai pas eu de souci de fil qui casse ou de fil. Franchement, je vous recommande. Voilà. Ensuite,
Et ensuite, je vous lâche, ce sera bientôt fini. Donc, ceci, ce sont mes fils. Et voici la toile donc, que j'ai décidé de commencer. Donc, elle fait partie de mon avant-dernière vidéo où je vous présente donc un unboxing de mes premiers achats, tout premier achat sur Temu. Il s'agit de cette illustration. Voilà, ma petite geisha en violet. Et donc, j'ai pas pu résister, je l'ai commencé. Hein. Voilà. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Et donc, j'ai plié ma toile, évidemment, parce qu'elle est grande. Voici ce qui a été fait. Donc, j'ai fait du fond. J'ai commencé à broder un peu les fleurs sur le côté. Et j'ai commencé à broder le haut de la tête de ma petite geisha. Voilà, j'ai commencé le visage. Je vais vous la tourner pour que vous puissiez vous rendre compte de ce qui a été brodé. Donc voilà, j'ai pas mal avancé sur cette toile. En ce moment, je suis beaucoup sur celle-ci. Voilà, d'ailleurs, comme vous pouvez le remarquer, elle était pliée et prête à être faite. Elle était sur mon bureau. Et pour finir, ma dernière avancée qui est vraiment petite, hein, mais j'ai avancé un peu quand même. C'est mon pan, donc c'est une toile en 9CT. Et en 9CT, elle mesure 59 cm sur 87. Donc, du 9CT en 4 brins. Et voilà ce que j'ai avancé. Donc, il y a des petits points droite à gauche qui se suivent. Bon, on va pas appeler ça du confetti, mais ça prend du temps. Donc, j'ai continué un peu de fond par ici, là. J'ai fait tous les petits points qui se promènent, enfin tous, il m'en reste encore un petit peu ici à droite, à gauche. Ici c'est pareil, j'en ai fait aussi un peu. Et j'ai également attaqué la tête de mon paon. Voilà, donc là sa crête est faite. Et voilà, donc je vais vous montrer de dos. Voilà ce qui a été brodé sur mon pan, doucement mais sûrement. Voilà. Voilà, voilà. Et bien voilà ma petite vidéo de mes quelques avancées est terminée. J'espère que ce petit moment avec moi vous aura plu. Moi en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous retrouver, de partager ça avec vous. Les prochaines vidéos seront des unboxing, donc j'ai un unboxing fan sales aussi à vous montrer. Donc vous verrez cette vidéo fan sales après celle-ci. Et ensuite j'ai deux colis que j'attends avec impatience, surtout un, je vous laisse la surprise bien sûr, dont il y en a un qui devrait plus tarder arriver, je pense que je l'aurai la semaine prochaine, et l'autre peut-être pas avant une petite dizaine de jours. Voilà, en attendant, entre-temps, je pense qu'on se retrouvera pour d'autres vidéos avancées. Voilà, voilà le programme des prochaines vidéos. Mais écoutez, moi je vous fais à tous et à toutes de gros gros bisous, prenez bien soin de vous, profitez bien du soleil, faites attention à vous. Et puis, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Bisous, bisous!